Le voilà, le voilà, le voilà. Il a l'air en pleine forme aujourd'hui. J'ai pas fait l'amour depuis 4 mois. Bon, d'accord, depuis 6 mois. Pourquoi je lui ai dit de plus m'inviter? Quel idiote je suis. Idiote, idiote. Salut, Nick, comment ça va? Lala, mon aimé. N'accepte pas que tu me dises non. À propos de quoi? À propos de quoi? À propos de nous? Oh, ne me fais pas de mal, Nick. On m'en a déjà trop fait. Je sais que c'est dur d'entamer une nouvelle relation, parce qu'il y a toujours cette peur d'avoir mal. Je sais, c'est ce que j'éprouve. Oui, c'est vrai. Oh, ça me quitte pas. Moi aussi, ça ne me quitte pas. Eh bien, il faut y aller lentement et voir comment ça roule. Ah oui, c'est bien. Lentement, c'est très bien. Oui. T'es libre ce soir? Ah, merci, Flo. Pas de quoi, mon petit cul. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi? Rien. Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Attendez, je suis allé à pied aujourd'hui, j'ai besoin de prendre l'air. Passez une bonne journée, monsieur. Ah, j'aime bien te voir remuer ton beau petit cul, on dirait Shaft. Ah, je me le ferais bien, moi, ce pistolet. Vous pouvez pas regarder où vous allez? Vous avez rien, monsieur? Ça va bien, ça va bien, ça va. Est-ce que j'ai bien éteint la cafetière ce matin? J'avais l'intention de le faire, mais est-ce que je l'ai éteinte? Je me rappelle pas. J'ai vu qu'elle était restée allumée, mais est-ce que quoi, je l'ai éteinte? Quoi? Un petit baiser, ça fait pas de moi une lesbienne. Si? Quoi? Oh, pardon. Deux tranches de pain, ça fait 150 calories, plus 5 carrés et demi de beurre, encore 150. Donc l'œstrogène, c'est bon pour le cœur, mais c'est mauvais pour les seins. Quoi? Mon môme a pas besoin d'un déboucheur. Faut qu'il m'écoute quand je parle. Monsieur, je vais faire ma crotte. Oh, oh c'est pas vrai. Ça va? Ah, Lola, mon aimé. Quand vas-tu accepter mon invitation? Nick, je sais pas pourquoi tu refuses de croire que je suis pas ton genre. Tu peux me faire confiance là-dessus. Un cappuccino extra mousseux, grand géant. Géant, c'est ce qui me correspond le mieux, je crois. Suivant. Tu sais, le bricourt qu'on va m'annoncer une formidable nouvelle professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on va pas fêter ça ensemble? Je t'offrirai un bon café. T'as pas remarqué? Je travaille dans une cafétéria. Salut, qu'est-ce que je vous sers? Je prendrai... Tu veux que j'arrête de t'inviter, Lola? Excusez-moi, j'en ai pour une seconde. Parce que tu sais, si c'est ce que tu veux, je ne t'invite plus. Tu n'as qu'à moi à dire, je ne t'invite plus. Oui, je vais te le dire, ce mot. Parce que je suis actrice. En tout cas, j'essaie de l'être et je veux tout concentrer là-dessus. Alors, ce serait plutôt une bonne chose si ça ne t'ennuie pas. Que tu ne m'invites plus à sortir. Ah, tu es tellement stressée. Je suis pas stressée, je sais plus où j'en suis. On va pas parler de ça pour l'instant. Je viens de prendre ici, disons, demain à 10h30. Ok, c'est une bonne idée. Alors, c'est d'accord? C'est d'accord. Merci, Nick. Monsieur, oh, quelle leçon. Je sais. J'en reviens pas, il est vraiment sympa, ce mec. Excuse-moi, Edouard m'appelle. Oui, bien sûr. Elle a 15 ans, c'est ça? Oui, oui. Et son petit copain a 18 ans. Et tu es contre, je parie? Oui, alors. Oui, mais il lui plaît, il l'a invité au bal de l'école et... C'est important, on dirait. Ce qui compte le plus pour le bal, c'est la robe qu'on va porter, tu dois savoir ça. Ah oui? Oui. Une fois qu'on a trouvé la robe, le reste, ça roule tout seul. On dirait qu'il s'agit de moi. De quoi je me mêle? Qui doit s'en aller? Bon, je vais m'en aller. Je vais me balader en ville, tâcher de capter l'esprit des femmes. Si tu as besoin d'un coup de main... Ah, je fais appel à tes lumières. Te gêne pas. Ok. Ah ouais, du tout cuit. Elle va pas tenir à moi. Moi, j'aime bien celle-là, mais faut pas avoir trop de hanches. Hein. Celle-là est jolie, je trouve. Oh non, trop décolleté, je peux pas porter ce genre de choses. Alex? C'est ouvert. Allez, dis quelque chose. Salut, je suis le père d'Alex, Nick. Salut. Salut. Pauvre type. Le père qui a rien à bouffer chez lui et qui a oublié l'anniversaire de sa fille. Et pourquoi il reste planté là? Je viens juste te dire que je suis à la maison et aussi que j'ai un rendez-vous ce soir. Alors je vais sortir, mais j'entrerai de bonne heure. Vous devriez vous commander une pizza, les filles. Il n'y a rien à manger à la maison. Et puis aussi, je voulais savoir si toi et moi, on pouvait aller faire des courses un jour. Je voudrais t'offrir une robe pour le bal.
Oh, ça c'est trop gentil. C'est pas mon père qui me dirait une chose pareille. Oh, je l'adore. Je te suis pas là. D'abord, tu jettes Cameron dehors et là, tu veux m'offrir une robe pour que j'aille au bal avec lui. Bon, j'étais un peu excessif et je voudrais me faire pardonner par l'achat d'une robe de bal. C'est très important, le choix de la robe. C'est vrai, on dit qu'une fois qu'on a la robe, le resto roule tout seul. C'est pas possible, il est défoncé. Bon, je vais choisir tout ce qu'il y a de plus cher. Robe, chaussures, maquillage, il a les moyens. Et pendant qu'on y est, soyons fous, perdons la tête, achetons chaussures, maquillage, bijoux, le grand jeu. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, comme tu veux. Dois-je comprendre, oui? C'est oui? Ouais. Super. Bon, content de vous avoir rencontré, j'espère qu'on va se revoir. J'espère aussi. Au revoir, monsieur Marshall. Au revoir. J'adore votre appart, la vie est superbe. Merci. Oh. Tu saches que je me conduis pas comme ça la première fois en général. Seulement tu as été si merveilleux ce soir. Oh. Il y a une telle sensibilité en toi, une telle compréhension. Et... Tu montes avec moi? Oh oui. C'est pas vrai? Je vais demander de monter. Je suis prête pour ça? Si je couche avec lui, il va me prendre pour une pute. Oh. Il me rappellera jamais. Ou il me rappellera parce qu'il croira qu'il peut m'avoir quand il veut. Oh, quelle importance, il est tellement incroyable. Il me rappelle ma sœur. Alors, qu'est-ce que tu décides? Lala, je vais montrer avec plaisir si tu veux vraiment que je monte. Je veux que tu sois bien sûre que tu es prête pour ça. Je peux attendre. Tu avais dit que tu me ferais pas souffrir. Et puis tu couches avec moi. Et puis pas de nouvelles depuis 6 jours. Et ça, dans mon monde à moi, ça s'appelle torturer. C'est vrai, on a une bouleversante, une formidable expérience sexuelle. Après, toi, tu disparais. Non mais tu viens plus boire de café. Lola, je te fais mes excuses. Je te pardonne. Je te pardonne parce que j'ai découvert ton petit secret. Ah oui? C'est évident quand on y réfléchit. Comment tu peux savoir les choses que tu sais? Ça n'a paru évident à personne d'autre. Nick, allons. Tu es tellement sensible. Tu sais si bien ce que j'éprouve. Tu es tellement à l'écoute. Tu parles avec moi comme une femme, tu penses comme une femme, Nick, je t'en prie. Avoue-le, tu es totalement 100% gay. Ah bon? C'est pas ça? Oh, je t'en prie, si c'est pas ça, dis-le-moi. Il faut me le dire parce qu'après l'expérience de l'autre nuit, délivre-moi de mon désespoir. L'es-tu ou ne l'es-tu pas? Dis-moi que tu es homo, parce que je suis pas dingue, je suis pas repoussante, je suis pas rejetée une fois de plus par un mec. Dis-le que tu es homo, avoue. D'accord. Je suis gay. Tout à fait. Oh, aussi homo qu'on peut l'être. Un jour, tu vas faire le bonheur d'un mec. Oh, puisses-tu dire vrai? Non. Je m'en veux de pleurer. Bon, écoute. Si un jour les choses devaient changer dans ce domaine précis... Tu en seras la première informée. C'est promis? Ah oui, c'est promis. Allez, viens là. Thank you.